nous organisons aujourd'hui le premier congrès international en géosciences, qui est une organisation conjointe de la 9e conférence de l'Association africaine des femmes en géosciences, le 2e colloque de l'Union arabe en géosciences et la 3e conférence internationale sur les géoparcs en Afrique et au Moyen-Orient. Donc le programme il est assez riche, donc on a eu une ouverture assez spectaculaire avec des activités culturelles. On a un panel sur, où on va discuter comment les sciences de la Terre peuvent servir la société. Et aujourd'hui après-midi, donc, on a deux workshops, deux ateliers de travail, un sur la responsabilité sociétale dans l'éducation des sciences de la Terre et un sur l'apprentissage actif dans les classes des sciences de la Terre en Afrique, au Moyen-Orient. Et puis en parallèle, on a des sessions scientifiques sur différentes spécialités des géosciences. Moi, c'est Kyate Kapche Gabriel Sangra. Je viens du Cameroun et je suis étudiante en deuxième année géologie à la faculté Chouabdoukali. Bon, comme vous le savez tous, aujourd'hui était la journée des sciences pour la Terre. Et pour notre participation, nous, en tant qu'étudiants, on a eu à faire un slam. Ensuite, une danse qui représente les différentes cultures qu'on retrouve en Afrique, telles que le Congo, Cameroun, Ivoire, Maroc, bien sûr. Comme nous le savons, le but de cette présentation, qui a été le congrès, était pour nous de trouver solution aux différents problèmes que rencontre notre environnement. Nous voulons aider ces membres à trouver vraiment des solutions et à pouvoir changer la façon de vivre, la façon de se conduire, pour que vraiment notre environnement puisse, pour que notre environnement puisse toujours nous aider, toujours nous apporter les ressources dont nous avons besoin, nous, en tant que êtres qui vivent sur cette terre. Et c'est pour cela que vraiment je suis très contente d'être ici et d'avoir participé à cette conférence. How geodiversity and biodiversity work together? لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة